Bonjour, bonsoir famille, ça va pas de poney, comment nous y est? Ou t'as nous saluer, on a fait une prochaine vidéo. Eh bien, commentez-moi, vous voulez une salutation pour l'IA pour nous saluer spécialement dans la fin prochaine vidéo. Il n'est pas facile pour jouer un pays qui a un littoral autant bel et étendu, même gens avec Panoua. Si nous préférons quelques informations sur Internet avec un café crédit, nous avons vu 1770 km côte avec plage qui a comblé tout à temps. Parmi toutes les plages qui font partie des littorales pays, il est non seulement difficile pour nous choisir, mais yo, et moi presque certain que les plages qui sont autant belles que ça qui fait partie de l'île noire. Moi c'est Jodalson Novembre et dans la vidéo nous pour aujourd'hui, nous parlons ensemble 10 plus belles plages en Haïti ou devez visiter. Quittez la parole dans la vidéo si vous appréciez l'idée, abonnez à la chaîne là si vous pouvez faire ça et puis pas oublier d'activer la notification pour ne pas rater d'autres belles vidéos qui nous portent pour vous. Labadi. Trouvé la 29 minutes de Cap Haïtien, Labadi c'est une station balnéaire privée qui situe sur la côte septentrionale pays d'Haïti. C'est un petit village qui était refuge pour environ 800 personnes qui vivent là-dedans, qui était devenu un véritable paradis sur terre dans l'année 1986. Là. Donc depuis là, c'est un complexe qui était loué et qui est dirigé par Royal Caribbean Cruises qui a un contrat avec l'État haïtien jusqu'à 2050. Bien qu'elle n'est pas ouverte à tout public là, mais si vous avez vu l'autre expérience de ça qu'on habite vivre de l'autre plage dans le pays, la bâtisse est une destination. Ou avez plusieurs choix entre louer cabane, soit chercher vivre une expérience luxueuse pendant après la séance sur plage là, acheter œuvre artisan local, faire un tour dans Dragon's Breath Zipline qui sont attractions qui peuvent faire planer dans les airs à travers l'île. Donc c'est quelque part mes bagages qui au café dans le complexe Labadia qui se représentation parfaite pays d'Haïti sur le plan touristique. Plage Pointe-Ouest, île de la Tortue. Selon Condé Nast Traveler, il y aurait vu de tourisme la Pointe-Ouest si on a 10 plus belles plages dans le Caraïbe. Mais veille naturelle ça a trouvé sur île de la Tortue et selon sa histoire racontée nous, c'est exactement là Christophe Colomb t'a jeté l'enclé. Trouvé la 8.2 km dans la ville Port de Paix, il est la tortue que elle est tout, il est la tortue en créole, c'est un petit île qu'on admire depuis Port de Paix, c'est l'utino et même en sa folleur, c'est tous les soirs. Et bien souci là, ça va une plage en point ouest là, qui c'est un homme qui t'a de faire penser à le visiter, petit paradis ça. Ça blabla enfin yo, au tu crois yo avec couleur vert dans le fond mea, c'est pas mes belles bagailles qu'on a profité dans la plage là. Ilara. Zile sa qui trouve la nan mitan la mer nan pati l'ouest sa Cap Haïtien, c'est un véritable paradis sous terre. Si paradis sa son image réduite de sa qui fait Haïti, yon nan pigo pays nan Caraïbes la. Entouré de yon plage de sable blanc, trouve la mitan au turquoise ou cap constate même fait naturel la qui forme de yon nature verdoyante qui compose de pieds cocoyer à campil pieds fuit. Pendant sous lui même, ou cap constate rescanon yo à campil l'anka. Selon sa histoire raconte nous, Christophe Colomb a fini par passer temps là avec belle madame Indian Lian qui fait le balion alternatif à Mega Island. Donc je pense que ou t'as dû penser visiter un petit coin paradis concernant le pays, qu'il y a une idée de ça qui paradis, bon dia. Chouchou Bay. Chouchou Bay c'est une plage qui trouve dans la commune Pomago dans le pays d'Haïti, qui sont l'autre navire naturel que ou t'as dû connaître qui existait dans le pays. Entouré de montagnes verdoyantes qui embellissent les paysages là, étant les sous plusieurs kilomètres avec un sable blanc et fin, ça c'est l'autre parmi les plus belles plages de rêve qui existent dans le pays, pour ne pas dire dans le Caraïbes là. Trouvé les très loin de toute pollution au centre-ville, ici une plage qui non seulement pas trop fréquentée, qui offre une vie panoramique époustouflante, surtout en formation corallienne qui trouve en extrémité l'ouest sa plage là. Donc si vous visitez un pays tant que Cap Haïtien par exemple, ou quand on est facilement dans la plage ça, parce qu'elle n'est pas trop loin des villes Cap Haïtien. Plage de Gelée. Plage de Gelée a trouvé dans le sud pays d'Haïti, plus précisément en ville de Caye. Ici on référence en matière de tourisme non seulement pour les gens qui vivent dans le pays, mais tout pour la diaspora. Station balnéaire ça représente une grande partie de l'économie villa par le fait qu'elle est toujours servi comme lieu de festivité pour les habitants. Donc avec une longue étendue de sable blanc qui servit pour rendre l'eau plus belle et plus claire, c'est sûr que vous avez envie de faire une plongée. Ou qu'à profiter de tous les différents types de plats de fruits de mer et restaurants qui sont plage à proposer, ou qu'à faire sentir atteindre assurément limite satisfaction de dégustation.
la plage Port Morgan. Si vous cherchez une plage de rêve qui entoure des natures verdoyantes et un bel environnement, plage Port Morgan est le premier choix par là, qui permet de faire une plongée et même si vous avez un petit monde à vous. Trouvez là 7 près de kilomètres de centre-ville il a vache là, ou avez une plage dans le même espace qui est un hôtel qui peut être même nom, qui offre un service de première classe selon visiteurs. Selon sa histoire racontée, nous, c'est un espace que capitaine pirate Henry Morgan te qu'on utilise comme base opération qui fait le poté nom pour Morgan. Alors, ce pirate était parti ça fait longtemps, mais l'île ça a toujours une sensation, un paradis qui perdit. En dedans, hôtel là même, ou gain possibilité choisir entre plage et piscine qui offre une possibilité pour prendre des soleils, que ce soit dans plage ou bien dans piscine. Moulin sur mer. Si tu partis à ça qui trouvait la sous-côte des Acadiens, à moins qu'une temps en voiture de l'aéroport Toussaint-Louverture, c'était une ancienne habitation sucrière qui existait depuis le 18e siècle. Donc, c'est un côté où tu as fait production sucre dans l'époque coloniale. Eh bien, je dis, pendant qu'on t'en prête la capra, raconter une partie de l'histoire pays à travers tout ça qui souli, ou qu'à profiter tout de tout confort touristique. Yo. Ou qu'à visiter un musée qui sont un monument dans l'histoire nous, faire un plonge dans la plage de sable blanc et d'eau transparente qui gagne pile pied cocoyé dans toute bord de l'eau. Avec une vue panoramique qui a fait rêver, plage de sable blanc, nature verdoyante a campé l'autre encore, donc tout bagaille s'en fait moulin sur mer, y en a plus belle plage dans le pays. Abaka Bay Beach Club, il a vache. Selon un sondage gauche-nal américain que les CNN ont réalisé, Abaka Bay Beach classé 57e parmi les plus belles plages qui existaient dans le monde. Il situe dans la côte sud-ouest du pays, pour plus précision, sous l'île il a vache là, qui sont une île qui trouvait entre 15 à 20 minutes sous bateau de la ville de Caye. Il mesure à peu près 10 miles de longueur et 5 miles de largeur. Entre réveillé dans le bungalow sous tête de montagne pour profiter d'une belle vue panoramique colline, terrain verdoyant ou bien la mer cristalline, descendre dans le sable fin ou bien plonger dans la mer chaude de Caraïbes, dormir pour attendre des bruits vagues ou bien son oiseau, c'est quelque part un pile bagaille que vous avez expérimenté dans Abaka Bay Beach. Île de la trompeuse. Même si nous avons fait le pas tant qu'il n'y a pas trompé, même avec naturel ça, il existe tout bon. L'île de la trompeuse là qui trouve le hack dans le département sud, c'est une petite île qui garde là, qui est un véritable paradis. Trouver le nami dans la mer, entre le sable blanc et fin, sans pas oublier une petite forêt verdoyante, donc même qui t'a amené à Haïti sur l'autre angle, n'a pas invité à visiter l'île de la trompeuse là, qui permet de comprendre beauté pays. Bien qu'elle n'est pas possible pour jouer tout ça vle souli, mais avec les gens qui hautement touristique ou capote tout ça vle souli, capet de passion pi bon journée dans paradis ça. Donc je nous t'ai dit ça dans le commencement de la vidéo, le nabga de toute belle plage dans le pays, c'était avec un pile difficulté pour nous choisir ça comme meilleur. Et nous connaissons quelqu'un pile l'autre plage dans le pays qui t'a de faire partie de l'ISA. Donc quittez dans le commentaire à quelqu'un ou senti qui t'a de faire partie de l'ISA qui est au patron de City. C'est la 10 plus belle plage que vous avez visité dans le pays et que vous êtes content pour vous dans la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, même si vous avez pris tout plaisir pour me réaliser pour vous. N'oubliez pas la vidéo si vous avez aimé, partagez le coulis pour que vous nous portez par plus de monde. Juste avant de nous aller, n'oubliez pas de vous saluer les gens qui ont commenté, je vous une salutation. Je salue Jerry Sylvestre, Josnal Axilien, Jean-Aubert Latour, Monokai, Anderson 509 depuis République Dominicaine, sans pas oublier Black Dollars, Haïti. Salutations pour Almeus Evnelson, Blackson Jérôme, Reginald Dorsely, Guito Andréville ainsi que Harry Lafleur. Je salue l'office Jean depuis Suriname, Zéphir Lesage depuis Cabaret, Jean Garcia Termidor depuis Santiago, Carvins Alcena depuis Saint-Marc, sans pas oublier Philogène Nickenson depuis au Cap. Salutations pour Tutoriel de l'Obensi, Eras Belki, Thomas Kembili, Yveson Rosambert, Fidna Prefilis depuis République Dominicaine ainsi que Anderson Rémy. M'absalue Joël Jean-Baptiste, Laurent Stevenson depuis New York, Gadi Philippe depuis République Dominicaine, James Polyvalent, Saint-Pablo Maclay, Georges depuis Port-au-Prince. Merci parce que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. L'idée pour me dire à tout de suite pour une nouvelle vidéo.